Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je me présente Alexis et aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez certainement revient pour, je pense, la quatrième fois, si je ne m'abuse, sur les Sentiers du Réel. C'est un grand honneur, c'est Anne Givaudan. Si vous ne la connaissez pas, bah écoutez, ma foi, vous allez la connaître, en tout cas aujourd'hui, si vous restez jusqu'au bout, bien sûr, de cette émission passionnante, j'en suis certain, puisqu'aujourd'hui, elle nous revient donc avec un tout nouveau livre, en tout cas un tout nouvel ouvrage, Révélation galactique pour un monde nouveau. Et mon Dieu, ô combien de révélations sont inscrites dans avec mon écran vert, ça passe pas, voilà. C'est pas grave, c'est les lois du non-direct. Je mettrai de toute façon une couverture, il n'y a pas de problème. Et donc, en somme, effectivement, dans cette petite brique, quand même, ça se voit pas comme ça, mais il y a quand même 300 pages, il y a énormément de révélations. Alors, encore une fois, un peu, disons que c'est un peu le fil rouge de tes ouvrages, Anne. Tu vas nous en parler, hein, bien entendu. Donc tu es toujours suivi par un guide. C'est toi qui fais le voyage généralement dans l'astral, c'est ça? Oui, ben c'est-à-dire que souvent, il y a le, je sens qu'il va y avoir un appel et que je vais vivre de nouvelles expériences. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me mets à disposition, c'est-à-dire qu'il me faut du temps, il faut que ce soit calme autour de moi, que ce soit bon, le mieux possible, tant qu'à faire, et pour faciliter des sorties hors du corps qui vont me permettre justement de voir ce qui m'est demandé ou ce qui m'est proposé surtout. Et là, effectivement, j'ai pas. Je ne suis pas partie avec le guide que j'ai habituellement, mais D'accord, ça c'est quand même un être bleu, c'était ma question justement, voilà, prochaine. Ouais, génial. dans lequel j'avais vraiment toute confiance parce que bon, c'est vrai que quand on a l'habitude de faire ces voyages-là, on ressent énormément l'énergie de la personne avec laquelle on est en contact. Donc on peut commencer, bon, c'est peut-être l'expérience qui fait ça aussi, on peut commencer à effectivement ressentir la personne. C'est comme, sur ces plans-là, c'est un peu, disons, son aura, c'est comme sa carte de visite, quoi. Donc, on voit si c'est quelqu'un de sincère, si c'est quelqu'un. Ce qui émane de cette personne, je veux dire, c'est des personnes qu'on peut rencontrer, en tout cas sur ces plans-là. C'est là où on peut ressentir, disons, la bonté, la beauté, la sincérité. Et donc, c'est comme ça que j'ai été guidée par cet autre guide, mais qui lui aussi fait partie de la Confédération galactique, comme le guide que j'ai l'habitude d'avoir pour les autres livres. D'accord. Oui, c'est important que tu le dises parce qu'effectivement, ça allait justement une de mes questions. Tiens, est-ce que c'est toujours le même guide qui revient? Mais visiblement, non. Donc, merci d'avoir répondu à ça. Et puis surtout, en fait, aussi, je posais cette question parce qu'il y a peut-être des gens qui découvrent Anne Givaudan pour la première fois ou qui découvrent la chaîne pour la première fois. Donc, bienvenue à vous. Et puis surtout, c'est ça aussi, un voyage astral. Bon, ça veut tout et rien dire pour celui qui ne connaît pas du tout. On en a déjà discuté sur la chaîne à travers quelques émissions, mais effectivement, c'est un petit peu comme je dis toujours, chaque nuit finalement on fait des voyages astraux dans l'astral sans s'en rendre compte, avec notamment les rêves ou certains rêves, on va dire, hein, certaines fréquences de rêves, parce que voilà, il y a les rêves, comme on le sait, c'est pas le sujet ici, mais on le sait, il y a des rêves qui reprennent un peu ce qu'on a fait C'est dans le ça. quotidien, et Ils puis il y a correspondent des à la rêves, carte émotionnelle, à la voilà. psyché, à... Voilà, exactement. Et puis il y a des rêves où on rencontre carrément, alors moi j'appelle pas ça des rêves, c'est carrément des voyages, et on rencontre des personnes qu'on ne connaît absolument pas, mais qu'on connaît de l'autre côté malgré tout. C'est ça qui est un petit peu étrange. Enfin bon, bref. Alors écoute d'emblée, hein, je t'ai même pas dit bonjour, Anne, comment vas-tu? Écoute, Bonjour, Alex. allez, soyons fous. C'est vrai que je commence jamais les émissions comme ça, mais bon, bref. Tu parles dans le bouquin, donc, Révélation galactique pour un monde nouveau, pardon, aux éditions Soi. De toute façon, je mettrai toutes les références dans la description, comme d'habitude. Édition Soi ou SOIS, hein, puisqu'il y a à chaque fois un petit point. Tu parles notamment de l'anti-Shambhala. Il y a des gens qui sont anti-Shambhala, il y a des êtres anti-Shambhala, mais alors, quid du Shambhala? Qu'est-ce que le Shambhala? En quelques mots, pour, encore une fois, les personnes qui ne Oui. connaissent pas trop. Alors, disons que on a écrit aussi un livre, j'ai écrit aussi comme co-auteur en fait un livre Voyage à Shambhala. Et dans ce livre, on explique justement ce qu'est Shambhala. Et Shambhala, c'est une ambassade qui, à la fois sur un plan subtil et aussi sur un plan pratiquement physique, mais qui est gardée parce que qui se trouvait
qui se trouve encore dans le désert de Gobi et dont une partie est aussi dans les Andes. Mais c'est une ambassade d'êtres de l'espace, notamment du peuple de Vénus, parce que c'est eux qui ont pris sous leur coupe un peu la planète Terre et les Terriens, un peu comme des grands frères, des grandes sœurs, parce qu'ils sont passés par des phases qui ressemblent à ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui ressemblent à ce qu'on a vécu aussi, et ils sont arrivés évidemment à un degré bien différent, mais ils ont passé ces étapes. Et c'est ça qui est chouette parce que, je veux dire qu'on peut effectivement les considérer comme, comme des guides. Et cette ambassade a été créée parce qu'à un moment donné, quand la Terre a été peuplée de différentes races, parce que c'est la seule planète qui est peuplée d'autant de races différentes, quand je visite, enfin quand je suis en contact avec d'autres planètes ou avec des êtres d'autres planètes, j'ai toujours une race, un type d'être devant moi, avec aussi des capacités, avec leur spécificité. Mais ce n'est pas multiple comme sur Terre. Sur Terre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un mélange justement de toutes ces différentes planètes, de ces êtres de différentes planètes. Mais à un moment donné, il y a aussi eu des êtres qui avaient fait exploser leur planète, qui avaient détruit parce qu'ils avaient ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Ils l'avaient développée à un niveau tellement élevé que le cœur n'y était plus et que leur planète n'a pas supporté cette vibration basse, quoi, intellectuellement élevée, mais sur un autre plan complètement vide. Et leur planète s'est asséchée. Donc, ils ont cherché des planètes de secours et ils sont arrivés sur la planète Terre aussi. Et quand des êtres comme, par exemple, les êtres de Vénus ou enfin des êtres, disons, dans un grand conseil galactique, il a été proposé à ce moment-là aux êtres de Vénus s'ils étaient d'accord pour créer une ambassade qui pourrait rayonner sur Terre et envoyer des impulsions, des idées, des changements pour la planète Terre et pour les humains. Donc, c'est en gros ça, c'est Shambhala. Les anti-Shambhala, c'est des êtres qui, en fait, ont des pouvoirs, mais qui, en fait, n'ont pas du tout envie que, enfin, qui ont envie d'être les maîtres du monde. Mais les maîtres du monde, genre, voilà, je suis un conquérant et j'ai envie d'être le maître du monde et d'avoir des esclaves à ma portée, des gens qui puissent, me servir ou servir ce qui me fait plaisir ou ce dont j'ai besoin. Donc, c'est ça le problème, quoi. Et les anti-Shambhala, donc c'est ça. Quand on dit on tend la main aux anti-Shambhala, on pourrait dire que, par exemple que les reptiliens ou que les Dracos ou que des êtres de ce type-là, et même sans aller si loin, il y a des êtres sur la Terre bien incarnés qui, eux aussi, font partie de l'anti-Shambhala, quoi. C'est-à-dire qui ont envie d'asservir la planète, de considérer les habitants comme des personnes complètement inutiles ou inintéressantes. Et de se dire que bon, ils garderont les meilleurs parmi eux, comme un bétail, quoi, et puis ils vont garder les meilleurs et faire en sorte que, qu'ils puissent être au service, à leur service, quoi. Donc, si possible, assez décérébrés pour pouvoir bien servir, suffisamment capables pour pouvoir être efficaces quand même, un peu comme ce qu'on voudrait faire de nous, donc, en ce moment, quoi. C'est-à-dire, on voudrait nous rendre, servile, grâce à la peur, grâce à d'autres choses, bien sûr, à des éléments qui sont étrangers, quoi, disons. Et on veut nous pouvoir réduire des parties de notre cerveau de façon à ce que l'empathie n'existe plus, à ce que, mais par contre, à ce que la peur, l'obéissance règne en maître. Et c'est la même chose, hein. Donc, je veux dire, les êtres qui veulent promouvoir ça sur Terre en ce moment sont au service de l'anti-Shambhala. C'est ça, C'est exactement, d'accord. ça. Parce que c'est vrai que on évoque souvent, ci et là, alors que ce soit dans des émissions comme la mienne ou d'autres émissions, ou éventuellement même des films, hein, parce que bon, ça, je ferai une parenthèse peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on évoque souvent
tout le côté négatif. Alors on sait très bien qu'il y a toute cette espèce de gros nuage noir, d'égrégore sombre autour de nous. On le vit au quotidien quelque part, si on se connecte finalement à ça, parce qu'on peut très bien ne pas s'y connecter et du coup ne pas le subir. Mais inconsciemment, on va pas dire quand même qu'on nage dans un océan d'amour tous les jours, surtout depuis 2 ans. Alors bon, c'est depuis 2 ans, ça a été concentré. Finalement, ça fait bien plus longtemps que c'est là. Simplement, on s'en rend compte un peu plus. En tout cas, pour les personnes qui n'étaient pas connectées à tout ça, commencent à tout doucement alors s'ouvrir à ça. Ce sera aussi peut-être, on en discutera justement à la fin. Mais globalement, oui, dans le bouquin, en fait, il y a un truc qui est un passage qui m'a quand même qui est assez intéressant. Alors, je crois que c'est tu poses la question. Là, il faut que je prenne mes lunettes quand même terrestres. C'est vrai que tu poses la question à ton guide. Tu dis qu'en fait, tu es au courant de tout ça, de tout ce qui est négatif autour de nous, et tu dis très justement, je cite, je le sais, mais en effet, mais à quoi ça sert-il de nous le rappeler, à faire peur, je vois pas l'utilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort, c'est fait exprès que je te sors cet exemple, parce que souvent, c'est ce que je vois moi dans les commentaires sur YouTube, sur ma chaîne, sur certaines émissions dites un peu plus négatives, en tout cas, où on dénonce tout ça. Il y a des gens qui se disent, oui, mais enfin, à quoi bon, chaque fois parler de tout ça, vous remuez Oui, des tout à choses fait. négatives, mais il y a quand même, ton guide, en fait, te répond quand même quelque chose par rapport à ça. Mais oui, il y a une raison. Et parce que, en fait, c'est un peu comme quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, c'est que c'est pas pour entretenir, on n'a pas envie de se baigner dans des espaces glauques. On n'a pas envie de ressasser non plus des choses. À un moment donné, j'avais du mal à respirer. Donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, effectivement, mais c'est trop, mais les gens le savent, ça va encore les empoisonner encore avec ce qu'il y a. Et en fait, c'est un peu une partie de mon ego qui disait ça, parce que moi, j'en avais assez. Et je trouve que cet être-là qui me guidait, donc, a répondu très justement que, en fait, c'était en fait que les gens sachent, c'est ce qui va aller leur permettre d'être libres, c'est-à-dire de choisir en conséquence. C'est trop facile de vouloir fermer les yeux. On a souvent fermé les yeux sur des horreurs. Et c'est comme ça que tout le monde peut faire n'importe quoi. Qu'on peut faire je sais pas, qu'il peut y avoir des guerres, qu'il peut y avoir des injustices. On laisse passer, on préfère pas y penser, on préfère se dire, ah ben non, ça n'existe pas, ou on n'a pas envie de le voir. Et en fait, c'est un acte de courage de se dire, ok, ça existe, ok, je sais que ça se passe comme ça, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, c'est vrai que je me suis dit, mais oui, c'est parfaitement juste, quoi. C'était un découragement, mais c'est juste. Et c'est comme le livre du gouvernement mondial. Je dis, bah, et vous n'êtes pas obligé de le lire comme un roman. Vous lisez des passages, vous savez que ça existe. Maintenant, qu'est-ce que vous faites comme choix? Parce que je veux dire, s'il y a des tyrans, c'est parce qu'on est à genoux, c'est ça. C'est Tout pas simplement, tout si on simplement. était Voilà. debout, ça n'arriverait pas. Et qu'on accepte, et comme tu dis, qu'on renie, qu'on fasse un déni On sur ferme tout. les yeux, Qu'on fasse un on veut déni. fermer les yeux, on veut être tranquille. Et notre tranquillité, je veux dire, c'est pas la vraie tranquillité, celle-là. Non, non, non. Ça C'est peut pas ça. durer. Ça peut pas durer cette tranquillité-là. Elle est factice, quoi. Oui, Elle complètement, est oui. factice. Elle finira toujours par faire en sorte qu'on sera de bons esclaves, évidemment. Si on veut toujours la paix, si on veut toujours. C'est comme les personnes à un moment donné qui se sont dit, ah ben moi je veux sortir, ah ben moi je vais aller prendre mon café. Et puis alors bon, ben on propose n'importe quoi et ça marche. Ça marche, oui, Ben oui. malheureusement. On Et en ben oui. rigole, mais c'est vrai Oui, que. oui. Et maintenant, moins, heureusement, je vois il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller. Il y en a pour qui c'est un peu tard, donc j'espère qu'il y aura des interventions effectivement d'autres êtres, parce que avec nos moyens humains actuels, c'est difficile C'est en effet, c'est de difficile. réparer Voilà. certaines choses, certains choix qui ont été faits. Je me dis, bon, bah, il va falloir qu'il se passe autre chose. Mais en même temps, je trouve que c'est une période tellement initiatique. Oui, moi Parce que je. on voulait tous que les choses changent. Bon, on ne savait pas trop comment le faire. Et puis tout d'un coup, là, on a comme une obligation de changer, Oui. une obligation de se poser les bonnes questions, une obligation de se dire, bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est acculé à faire des choix. C'est vraiment ça, oui. Et donc,
Je trouve que c'est important, quoi. En fait, donc c'est en même temps une bonne période. Je dirais pas une belle, mais une bonne période. C'est une période totalement charnière et bon, on a tellement publicité la fin du monde avec 2012, mais suffit d'inverser deux chiffres et ça fait 2021 et on y est. Là, on y est, c'est complètement ça qui est en train de se passer. Il y a un changement de paradigme, mais vraiment conséquent et de plus en plus rapide. Et comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, malgré tout, même si c'est trop tard, je dis, bon, c'est toujours qu'il n'est jamais trop tard, mais non, c'est vrai que beaucoup de gens commencent à s'éveiller et même pas que sur les sujets qu'on connaît. Hein. Pas que sur le coco pour ne pas le citer, n'est-ce pas, puisqu'on ne peut plus rien dire sur YouTube. Mais globalement, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de facteurs. Alors, il y a des gens qui dorment. Oui, il y a des gens qui dormiront encore, Il y en a et toujours. ça, c'est pour ça aussi que voilà, on se pose la question, est-ce que l'éveil est possible finalement? L'éveil global est-il possible? Puisque finalement, le réveil plutôt, comment dire, travaille sur plusieurs vitesses. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. Nous, ce que nous avons acquis, entre guillemets, comme connaissance, comme éveil aussi, bah, moi, c'est sur une période de 15 ans, je veux dire à peu près comme ça. 15 ans et le reste, un peu plus. Mais il y a des gens qui viennent à peine de se réveiller. C'est difficile, la lumière dans les yeux le matin quand on se réveille. Hein, ça Oui. pique. Oui, mais par contre, je trouve qu'il y a aussi une chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des êtres qui arrivent avec déjà un changement au niveau de l'ADN. Et ce qui fait qu'eux, ils comprennent très vite que ce qu'avant, on mettait 10 ans à comprendre, 15 ans à comprendre avant de réaliser certaines choses, tout d'un coup, c'est comme si ces êtres-là, bah, ils l'avaient en acquis. Parce que quand j'ai vu des préparations à la naissance, bah, ces êtres, en fait, arrivent avec un acquis, avec un bagage. Ils sont là pour détruire l'ancien, construire le nouveau. Ils savent ce pourquoi ils sont là, même s'ils l'ont oublié consciemment. Mais ils sont là pour certaines choses et une partie d'eux le sait. Et cette partie qui sait, je veux dire, quand on leur parle de certaines notions qui avant faisaient poser problème, etc., pour eux, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'ils sont quand même assis entre deux chaises. Le monde ancien n'est pas terminé, le monde nouveau n'est pas complètement construit. Donc, ils sont là en train de... Ils savent évidemment pourquoi ils sont venus, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils sont assis entre deux mondes, quoi. Et c'est instable pour eux. C'est pour ça que quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, ils peuvent avoir des réactions qu'on a du mal à comprendre. Mais en fait, c'est aussi... Ils font partie du changement aussi. Et c'est une planète quand même sur laquelle il y a beaucoup d'êtres qui se sont incarnés maintenant. On dit, mais pourquoi il y a autant de monde, etc. Il faut en éradiquer les trois quarts. Parce que ce sont des inutiles, bah, pas du tout. Les gens qui sont venus actuellement, ce sont beaucoup d'êtres. D'abord, si on est sur Terre, c'est parce qu'on a une bonne raison d'être là à cette époque. Donc, on n'a pas du tout besoin d'être éradiqué. De toute façon, on va partir au moment voulu. Mais il y a quand même des êtres qui sont venus pour aider la planète. Des gens, par exemple, qui ont vécu la fin de l'Atlantide, des gens qui ont vécu la fin de la Lémurie. Donc, de grands cycles. Il s'est passé des choses terribles à ce moment-là. Ils n'ont pas envie que ça se repasse de la même façon. Ils veulent que cette fois-ci, la planète Terre et ses habitants, je dis pas tous ses habitants, mais que en tout cas les habitants qui s'éveillent puissent passer à autre chose. Et ils sont là pour ça. Après, il y a des êtres qui ont attendu cette période-là. Donc, il y a aussi tous les apôtres qui sont réincarnés. Il y a des êtres de lumière qui sont, enfin, qui sont incarnés aussi. C'est pas la peine de les chercher parce que ça ne ferait que perturber leur travail. Donc ça ne sert à rien. S'ils veulent contacter quelqu'un, ils le feront. Mais je veux dire, moi j'en ai rencontré dans différents pays. Ils sont pas tous évidemment en France. Ça serait ridicule de penser ça. Mais je veux dire, j'en ai vu en Israël, j'en ai vu aux États-Unis, j'en ai vu en Angleterre, bon, j'en ai vu en Afrique. Parce que il y en a partout, partout en Asie. C'est vraiment. Je veux dire, c'est vraiment une période clé. Et les êtres, on n'est pas seuls, quoi. Je veux dire, les êtres de la nature sont en train de se dire qu'ils ont envie de collaborer avec nous. Il y a aussi le peuple animal. Il y a aussi enfin, il y a plein, il y en a Les plein. arbres, Voilà. justement, hein, les. Oui, la nature, donc le peuple animal. Enfin, tous les règnes sont prêts à collaborer avec l'humain parce qu'ils savent qu'on est tous dans le même bateau. Donc c'est quelque chose de phénoménal qui ne s'était pas passé à d'autres siècles ou d'autres civilisations. C'est vraiment un moment unique.
Alors évidemment, d'autres civilisations, on pourrait dire qu'à un moment donné, la planète Terre a connu une époque où les gens vivaient extrêmement longtemps. Quand on parle des Mathusalem, il y avait une vie qui était très longue, on vivait plus de... On pouvait vivre 500 ans, 1000 ans, et être en harmonie avec le peuple animal, par exemple. Mais c'était une période, tandis que là, c'est vraiment, est-ce qu'on va, on nous dit, est-ce que vous allez retrouver les capacités que vous avez en vous? Est-ce que vous allez enfin vous faire confiance? Est-ce que vous allez rayonner cette lumière qui est en vous et cette graine d'étoile que vous avez? Donc, c'est ça qui est important. Tout à fait. Et c'est vrai que... tiens, j'ai perdu le fil. j'ai tellement de choses à dire et à changer, c'est pas grave. Il y a plusieurs choses, justement. On va peut-être en parler tout de suite. C'est la fameuse guerre des ondes, parce que tu en parles aussi dans le bouquin. Ouais. Justement, j'ai l'impression que tout ce qui est au niveau ondes, en tout cas en ce moment, fonctionne plutôt bien. Alors, plutôt bien pour eux, peut-être, pas pour nous. Et donc, là où je voulais en revenir, oui. Oui, c'est ça me rappelle justement un bouquin assez connu du siècle dernier, qu'ils ont d'ailleurs fait en film, une trilogie très célèbre du Seigneur des Anneaux, hein, Ah oui. d'un certain Tolkien, et où effectivement, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film ou lu le livre, enfin en tout cas tenté de lire le livre, parce que bonne chance, c'est vraiment ça, c'est tous les êtres, absolument quels qu'ils soient, tout être vivant ayant justement une âme, hein, parce que ça aussi c'est très important, je l'ai mis sur mon petit copion, la question de l'âme. Et c'est vrai que on en est à... Oui, j'ai l'impression qu'il y a un combat, en tout cas, globalisé. Alors, un combat, je n'espère pas une guerre, mais en tout cas une guerre spirituelle. Ça, on le sait depuis maintenant. Oui, si, c'est ça, ça se passe aussi sur d'autres plans, ce qui se passe sur Terre. C'est comme, c'est ça, c'est que, en fait, il y a ce combat parce qu'on l'a à l'intérieur de nous et parce on donne la main régulièrement à tout ce qui est ombre, à chaque fois qu'on se met en colère, à chaque fois qu'on va tendre la main parce qu'on a peur, à chaque fois qu'on va accepter des choses inacceptables. Dans ces cas-là, je veux dire, il n'y a pas d'un côté les bons, les mauvais. Il y a d'un côté nous qui avons un côté bon, un côté moins bon. Et il faut accepter les deux, mais en même temps, être clair en se disant, on tend régulièrement la main à des forces qu'on n'a pas envie de voir. Et après, on se dit, oh oui, mais ce sont les méchants, ce sont les gouvernants, ce sont ci, ce sont ça. Mais s'ils existent, c'est parce que on est d'accord pour qu'ils existent. C'est là où vraiment, il faut qu'on se réveille, quoi. Qu'on se réveille et qu'on se dise, il faut arrêter ça. On ne peut pas continuer à donner la main à des choses qu'on trouve inadmissibles uniquement parce que soit on a peur, soit on a besoin d'un certain confort, soit on a peur de perdre l'ancien monde, on a peur de perdre l'argent, on a peur de perdre un travail, on a peur du matériel, ce que je peux comprendre parce qu'évidemment, on peut pas, on est dans un monde où il faut acheter les choses. Mais maintenant, il y a de plus en plus de monde où on échange. Oui, Et de il y a plus en des plus. campagnes où on est en train d'échanger. Alors, c'est vrai Ouais. que on ne veut pas perdre son confort, on ne veut pas perdre le fait d'avoir, comment dire, d'avoir un titre, par exemple, d'avoir une importance dans une société qui n'a plus de valeur. Oui, c'est ça, voilà, à Et quoi on a bon en peur de fait. ça. On a très peur, je veux dire, de perdre notre importance, de perdre ce qui fait notre valeur. Donc, on accepte de dire oui à n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça a comme valeur? C'est ça. Mais Pardon, excuse-moi. non, non, mais je disais, il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les mauvais. C'est facile de dire, bon, ben, effectivement, ah, il y a les mauvais, et puis nous, on est dans les bons, mais non. Les pauvres victimes, voilà. On n'est pas des victimes, on n'est pas dans les bons, on est en train de chercher notre place. Exact. Ah, c'est ça, c'est important. Et se dire qu'on est, quel que soit le titre qu'on a, en tout cas et au niveau humain, on est important en fait. On est On est important, même si on ne l'est pas peut-être aux yeux de plus de 5 personnes, peu importe, on est déjà important rien que pour soi, et même peut-être pour le petit animal qu'on va sauver, ou l'escargot qui traverse la rue, qu'on va déplacer, on est important quoi qu'il arrive, en tout cas. Justement, il était donc question d'âme, j'avais un petit peu souligné cette question, parce que je pense que c'est intéressant. Plusieurs choses ont été données, naturellement, on va pas
tout évoquer, bien entendu, ce serait beaucoup trop long. Et puis, vraiment, je vous conseille de lire ce livre, le dernier ouvrage, Révélation Galactique, parce que vraiment, j'ai l'impression effectivement d'avoir plusieurs réponses. Et on y reviendra. Il y a même quelques petits exercices très importants, comme la respiration. Ça, peut-être que tu veux un peu nous en parler de la respiration qui est importante, rapidement. C'est-à-dire que je vais proposer d'ailleurs, dans un Robin des Bois par exemple, que les gens commencent à s'exercer concrètement. C'est-à-dire qu'ils commencent à respirer le prana, les particules de prana, qui sont on pourrait dire des particules du corps divin en général, qu'on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance. Et quand on respire en conscience, on change des choses dans nos cellules. Je veux dire, quand on met de la conscience dans ce qu'on fait, par exemple, si on serre la main à quelqu'un, je veux dire, que ce soit pas une banalité, quand on sourit à quelqu'un, que ce soit pas, on peut le faire. Et à un moment donné, il faut vraiment commencer à s'exercer, à être complètement, à faire passer de la lumière dans ce qu'on fait. Et là, on va commencer à envahir le monde, mais d'une autre façon. On va envahir les gens qui sont autour de nous, sans même qu'ils le sachent. Ils vont tout d'un coup se sentir un peu mieux. Ils vont tout d'un coup trouver que la vie est pas si moche. Et c'est nous, il faut que ceux qui sont conscients fassent vraiment ce travail-là. Enfin, ce travail, je dis, non, cette mission-là, c'est plus sympa. Parce que c'est ça qui va changer le monde. C'est pas une guerre, une grève. C'est bien, je veux dire. C'est pas que je sois contre ça. Mais je me dis, c'est pas ça qui change le monde. On en a fait pendant des millénaires. Et toujours, on a mis un vizir à la place du vizir, quoi, comme dans certains Is No Good, certaines bandes dessinées, là, où on met une personne à la place de l'autre, mais en fait, ça change rien. Ça change rien. Les esclaves sont toujours des esclaves, les rois sont toujours des rois, les meneurs sont toujours des meneurs, si ce n'est qu'ils ont changé un personnage, un autre. En fait, on voit bien dans les gouvernements, on change une personne, on change une autre, on se retrouve avec les mêmes problématiques. Il y a des bricoles qui changent, mais c'est tout. On va avoir 3 plus par mois. Ok, c'est ridicule. C'est ça qu'on peut appeler du changement, quoi. Non, pas du tout. Non, non, non. Là, vraiment, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire comme des troupes missionnées pour un changement. Et au lieu de faire des troupes guerrières, on va faire d'autres choses, quoi. Juste propager l'amour, encore une fois, ce n'est pas. Oui, la douceur, tout ce qu'on a envie de voir sur Terre. Quand on fait la méditation du pissenlit, on en voit des choses qu'on aimerait voir sur Terre. Mais ça peut être la fraternité, ça peut être la douceur, ça peut être, je ne sais pas, enfin, il y a plein de choses qu'on aimerait voir sur Terre. La joie. Et on va émaner ça. On va émaner ça consciemment et le plus fréquemment possible. Et à ce moment-là, il se passera quelque chose, c'est sûr. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le centième singe, hein. Je crois que c'est un petit peu Mais oui. ça rejoint un petit peu cette fable-là. Et donc oui, pour la question de l'âme, ton guide t'apprend, enfin te dit, en tout cas, t'insuffle, parce qu'en fait, il ne parle pas, hein. Ce sont c'est de la C'est par télépathie et télépathie, c'est hein, de la de toute télé, voilà. façon, C'est de la oui. télépathie, et en fait, ça aussi, c'est important. Moi, j'ai toujours le sentiment que nos langages à nous, qu'ils soient français ici en l'occurrence, mais peu importe quelle langue, sont un peu handicapantes pour certaines compréhensions, des choses beaucoup plus subtiles. On doit toujours tout expliquer avec des mots, c'est un mécanisme, c'est très très lourd. Et là, C'est en quelques difficile. mots, en quelques idées, peut-être en deux, trois secondes, tu as plein d'informations qui te viennent. Et en fait, quelque part, oui, c'est comme un téléchargement en somme. C'est Oui, comme si on c'est ça. téléchargeait et c'est comme si tu avais toujours su. Oui. J'ai l'impression, quand c'est comme ça, qu'au centre du crâne, il se passe quelque chose comme si j'avais un haut-parleur qui fait que, ou une radio qui me dit, mais en même temps, je vois, je sais. Donc, je veux dire, c'est multidimensionnel, quoi. Et c'est ça qui est génial. Et qu'on n'arrive pas à faire en mots. Et quelquefois, on a des incompréhensions entre personnes parce que les mots nous bloquent. Parce qu'on se comprend mal, parce qu'on n'a pas dit le bon mot au bon moment, avec la bonne intonation. Et du coup, il y a des choses qui se passent mal, quoi. Alors que là, non. Là, c'est pas possible. Ne parlons pas des réseaux sociaux, alors, ou des SMS quand on les retranscrit. Mon Dieu, on le sait, ça fait déjà beaucoup de petites guerres parfois parce qu'on ne se comprend pas au bout d'un SMS. C'est ça. Et donc le guide, en fait, lui, donc t'insuffle effectivement cette notion de la mort qui est. Alors, il y a la mort physique, mais c'est pas la plus terrifiante, c'est la mort de l'âme, visiblement.
d'après Mais le. oui, c'est qu'à un moment donné, il dit, si vous continuez sur cette voie-là, ce qui va se passer, c'est que ça sera annihilé, c'est-à-dire tout votre pouvoir intérieur, votre compassion, par exemple, tout ça n'existera plus. Et si, et c'est comme un peu quand on parle de l'intelligence artificielle, quoi, ou qu'on veut absolument nous robotiser pour nous dire, vous allez avoir du pouvoir, vous allez avoir des capacités, vous allez entendre des choses, mais on les a, ces capacités. Seulement, on n'a pas le courage de les développer. Mais en fait, on les a. On est très capable de faire ce qui nous est proposé artificiellement. Mais par contre, ça demande plus d'entraînement, disons, je dirais. Plus d'entraînement, plus de constance. Et ça, bon, on nous a appris à être devant des écrans, télé, d'être passif quand même souvent. Donc on a perdu le goût de l'entraînement qui pourrait nous permettre justement de pouvoir retrouver nos capacités de clairvision, de clairaudience, d'intuition, de télépathie. Par exemple, on a éradiqué, je me souviens que quand j'étais dans ce livre, dans le corps d'une femme, donc c'était pas en Amazonie, non, non. Et cette femme, elle était en prison, donc dans une prison. Et puis, une de ses amies lui dit, mais utilise notre téléphone habituel. Et le téléphone habituel, c'était en fait la télépathie. Parce que les peuples premiers qu'on a voulu éradiquer, eh ben, c'est parce qu'ils connaissaient plein de choses. Je veux dire, il y a des êtres qui ont été enseignés par Sirius, il y a des êtres enfin les Dogons par exemple, il y en a d'autres qui ont été enseignés par Vénus, il y en a d'autres qui ont été enseignés par. J'ai retrouvé les Mayas par exemple chez eux, ou même chez des Amérindiens, j'ai retrouvé des soins qui ressemblaient à ce que les Vénusiens ont enseigné au niveau des Esséniens. Donc, ça a été donné tout ça. Mais ça a fait peur à certains êtres qui veulent justement avoir du pouvoir, parce que si on se libère, si la population en général se libère, si elle pense qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes, si elle croit en une vie ailleurs, si elle croit en l'éternité de ce que nous sommes, ben à ce moment-là, ils n'ont plus de prise sur nous. Et là, c'est difficile. Là, ils savent pas comment agir. Et c'est ce que j'ai vécu beaucoup ça à travers cet ouvrage, à travers ces expériences, c'est que quand on réveille en soi de l'amour ou de la joie ou des sentiments de ce type-là, ce ne sont pas des émotions mais des sentiments, à ce moment-là, ces êtres-là ne savent plus comment agir parce que ça les dépasse. Parce que là, c'est plus dans leurs critères, c'est plus dans leurs histoires. Ils savent plus comment gérer ces problèmes-là. Et l'éveil de l'humanité leur fait très peur. C'est pour ça qu'il est temps vraiment de se réveiller si on veut ne pas courir à la catastrophe. Mais il n'y a pas de raison qu'on court à la catastrophe. Il y a de plus en plus de monde qui se réveille, donc. Et justement, dans le livre, et c'est très bien que tu en parles, je fais vraiment le petit pont avec ça, c'est que bah, tu parlais justement de cet éveil qui leur font peur. Alors, tu as rencontré, comme à peu près à chaque voyage astral que tu fais, hein, que ce soit avec l'un ou l'autre guide, dans les ouvrages que tu écris, tu révèles justement qu'il y a donc plusieurs races, on est bien d'accord, un petit peu comme dans le film Star Wars ou Star Oui, Trek, c'est hein, ça. où on voit des conseils galactiques. C'est voilà, donc George Ça. Lucas avait vraiment voilà n'a Il a été pas bien Il a inspiré. été bien inspiré, n'est-ce pas? Voilà. Et parmi tant d'autres, à Hollywood d'ailleurs. Mais donc, effectivement. Pourtant, Hollywood, c'est pas terrible, Ah non, mais non, bon. c'est pas Hollywood. Bien sûr, eux, c'est une lumière inversée. Mais n'empêche, bah, comme l'écran, la projection sur un écran qui est inversée. Mais n'empêche, regarde, tu parlais de destruction de planète au début. Bah, ça me fait penser directement au film Superman. Ben Krypton, oui. voilà, qui Ben explose. Voilà. Bon, bref. Par faire le cinéma, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même, n'empêche. Et donc, tu as rencontré notamment, entre autres, hein, on va parler de deux races enfin, qui me tiennent à cœur, il y en a une moins et l'autre plus. On va commencer par la plus négative, justement, les dracos, entre guillemets, les reptiliens, hein, ce qu'on appelle plus communément les reptiliens. Bah, ça, je pense que la plupart des auditeurs les connaissent, en tout cas pour ceux qui sont connectés un petit peu à tous ces sujets-là. Et effectivement, quelque part, tu rencontres un être.
qui fait partie d'eux, qui est un peu plus petit, qui semble féminin apparemment, et qui a une cape, hein, si je comprends bien. Donc, Ah oui, alors alors ça c'est génial. ils sont pires que les reptiliens normalement. Ah. Oui, l'être qui arrive quand on est enfermé dans une cage, là. Oui, et alors petite précision, tu intègres le corps d'un homme Moi, je aussi. suis à travers le corps d'un Oui, scientifique qui est d'accord. chargé en fait d'amener des êtres humains, disons en pâture un peu ou en expérimentation, aux Dracos, quoi, aux reptiliens en tout cas. Et là, il en a assez. Et puis là, il décide d'arrêter. Et puis, il sait plus comment faire. Donc, effectivement, là, le reptilien l'enferme dans une cage. Donc, moi, je suis dedans, donc forcément. Et puis, on attend là, en sachant pas quelle sorte va être réservée. C'est là qu'arrive un personnage féminin, d'énergie féminine. Je pense que c'est Elfaf, parce que je connais pas trop. Mais je sais qu'ils sont pires, que ce sont les pires dans ces races-là, les plus dangereux. Et donc, et qui nous dit, mais à un moment donné, qui nous dit, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix dans la position où vous êtes, ce qui est vrai. Et je me dis, mais j'ai envie de la croire. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, on n'est pas nombreuses. C'est nous qui prenons les enfants hybrides et qui avons charge de les élever. Mais on s'est aperçu qu'on a capté des étincelles d'amour qu'on ne connaissait plus et on a envie de franchir avec vous une frontière, un passage. Donc on n'a plus envie de continuer à suivre la ligne qu'on suivait jusqu'à présent. C'est un peu comme un repenti ou. Et c'est elle qui a délivré donc cet homme donc dans lequel j'étais aussi et qui lui a permis de se sortir de ce mauvais pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui un être c'est là où on peut se dire que ce soit, il peut y avoir une étincelle d'amour, de lumière dedans, de toute façon. Mais on sait pas quand, on sait pas quoi et donc c'est ça l'histoire quoi, c'est-à-dire on veut prendre des risques entre-temps. C'est pas de la naïveté de se dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça n'a rien à voir. C'est que en fait, il y a l'amour dans tout le monde, mais il y en a qui l'ont vraiment tellement enfermé dans des gangs et rétréci qu'ils n'arrivent plus à le capter. C'est l'impression que j'ai eue chez les reptiliens. Tout ça, c'est ils ont fait leur planète, ils manquent plein d'éléments et qu'ils viennent chercher sur Terre, chez les humains, dans les animaux. Quand il y a plein d'animaux qu'on retrouve avec des langues coupées, avec des morceaux coupés, en disant, tiens, c'est bizarre, c'est coupé comme un laser, est-ce que ça serait de la magie? Bon, est-ce que ça serait autre chose? Mais j'ai lu un article de journal un jour, enfin, ces derniers temps, là, quand j'avais toutes ces chevaux, en tout cas en France, qui étaient régulièrement massacrés, bizarrement massacrés quand même, et très bien découpés. Et un article de la police qui disait, mais c'est pas d'origine humaine. Bon, ils n'ont pas dit que c'était d'origine extraterrestre, évidemment, mais d'origine animale, c'était pas possible non plus la façon dont c'était fait. Donc, et c'est ça. Eux ont besoin, ils ont l'autorisation de prendre des éléments dont ils ont besoin sur leur planète, en échange de certaines découvertes ou de certaines inventions, de certains. Secrets qu'ils vont pouvoir donner le gouvernement à un autre, parce que je dis, ils ne sont pas très fidèles hein, à un gouvernement ou à un autre. Mais ce qui est drôle, c'est que, oui, en fait, c'est ça, quoi. Je veux dire, ils ont complètement détruit leur planète et ils essaient de reconstruire et de créer des êtres hybrides pour repeupler cette planète et la faire revivre. Mais ils en ont perdu l'essence, ils ont perdu l'étincelle d'amour, quoi. Qui pourrait faire que leur planète soit belle. Ils l'ont tellement desséchée avec un mental extrêmement fort que c'est ce qui risquerait de nous arriver si on continuait dans ce sens-là. J'avais entendu dire que tout ce qui nous arrive en ce moment, depuis 2 ans, et puis encore une fois, ces 2 ans, c'est symbolique, c'est depuis beaucoup plus d'années que ça, mais voilà, c'est parce que
on ne le vit pas de la même manière, c'est, on le vit un peu de la manière de la grenouille qui est en train de fondre dans sa casserole sans s'en rendre compte. Mais là, depuis 2 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas de répit, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Là, c'est pas fini et c'est pas Et fini. c'est pas fini, bien sûr. Il y a des faux répits. D'ailleurs, là, on est dans un faux Ouais, répit, hein, depuis exactement. durant l'été. Maintenant, et là, on va sans faire dans le catastrophisme, on va un peu voir quelle est la suite du scénario. Est-ce que tu crois pas que ces gens qui accélèrent tout d'un coup le pas, on dirait que c'est sur un agenda, on le sait très bien, on dirait qu'ils accélèrent un petit peu. Est-ce que tu penses qu'ils sont en perte, en perdition? Est-ce qu'ils doivent se dépêcher pour En tout cas, ils ont peur. oui. Parce que l'agenda a été, c'était en 2030, c'est ça? Et il a été rapproché à 2025. Donc, Ok. mais oui, ce qui devait se passer, ou en tout cas ce qu'ils avaient prévu dans leur planning, s'est rétréci. Ça veut dire qu'ils pensent qu'il faut aller vite. Parce que sinon, ils ont peur qu'effectivement, il y ait une espèce de réveil. Et là, ils seront en perdition, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils ont accéléré l'agenda pour pouvoir, l'agenda dont on parle, pour pouvoir se dire que quand même, il faut qu'ils aient le maximum de population à leur solde, quoi. On éradique une autre partie, c'est sûr, mais bon. Et comme par hasard, en plus 2025, ça donne le chiffre 9 en numérologie. Donc c'est Un départ. une fin de cycle ou un départ, voilà, Voilà, exactement. une fin de cycle et un Bien départ. sûr, puisque de toute façon, la fin n'existait pas, elle n'existe pas, pardon, elle laisse toujours place à un renouveau, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, il y a une autre race aussi que je voulais parler, et ça, c'est pour les amis des chats. Tu vas tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc, le Oui, peuple chat ce qui sont est. vraiment les Ah, ça, c'est. spécialistes des ondes. Et quand j'ai pu les rencontrer, c'est vraiment presque en dernier, c'est ces êtres qui sont très félins, quoi. Il y a une planète féline, quoi. Ils sont rebelles apparemment. Et ils sont rebelles. Donc déjà, ils sont rebelles, mais ils ont une fonction quand même qui est sympathique parce qu'ils disent, mais nous, les ondes, pour nous, c'est un jeu, c'est vraiment des choses qu'on connaît et on a déjà déconnecté je sais pas, c'est des missiles, ou enfin, et on s'est déjà occupé de Tchernobyl, on s'est déjà occupé de Fukushima, parce que de toute façon, on ne veut pas que ça touche nos planètes. Et ça, c'est important pour eux. Donc pour eux, ils disent, on peut laisser jusqu'à un certain degré parce que ça vous appartient. Vous détruisez, c'est à vous de reconstruire, ce qui est logique. En même temps, quoi, je veux dire, on est les prédateurs, les plus grands prédateurs de la planète Terre. Bon, c'est quand même à nous de pouvoir après en réparer les dégâts. Et on en a la capacité. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui nous dépassent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, ils interviennent. Alors quand on nous dit, mais pourquoi est-ce qu'ils laissent faire jusqu'à un certain point? Il y a cette espèce de libre arbitre, en fait, et de non-ingérence. Quelquefois, ils ingèrent un peu, mais il y a quand même la loi de non-ingérence dans les planètes de l'Alliance, dans les êtres qui sont, je veux dire, respectueux de ce qui se passe, quoi. Et des êtres humains, ils vont pas imposer leur loi. Ils vont pas imposer quoi que ce soit. Ils vont pouvoir envoyer des ondes, envoyer des idées, aider. Mais ils disent, arrêtez de nous considérer comme des dieux, arrêtez de nous considérer comme des sauveurs. On n'en veut plus. Et c'est pas ça qui va vous aider. Donc, on ne va pas vous sauver malgré vous. On ne va pas vous sauver de toute façon, parce que c'est vous qui allez vous sauver. Mais on peut vous aider. Et je trouve que c'est très juste quelque part, parce que on a trop souvent remis notre pouvoir à des instances, des dieux, des extraterrestres, enfin, à tout le monde, sauf à nous, quoi. Et je veux dire, on est capable d'aller jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que, bon, bah, forcément, on a besoin d'aide. Donc, il y a toujours des êtres. Ces êtres-là vont nous aider, comme on peut nous aider des enfants, comme on peut aider des gens qu'on aime. Mais on ne va pas faire le travail à leur place. Quand un enfant essaie de marcher, ben, on ne va pas, à chaque fois qu'il tombe, le ramasser, sinon il n'apprendra jamais. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors on va dire oui, mais quand même, alors il y a des gens qui meurent, mais pour eux, la mort, c'est qu'on quitte une enveloppe, c'est tout. Et donc, ce n'est pas dramatique pour eux. Ce qui est dramatique, c'est si effectivement nos expériences pouvaient nuire à leur planète. Parce que là, ils disent à ce moment-là, il y a ingérence. Et s'il y a ingérence, nous, on peut intervenir. Mais ils ne vont pas intervenir dans des choses qu'on est capable de gérer nous-mêmes.
Par contre, ils ont évité que Tchernobyl, Fukushima, enfin, tout ce qui se passe, en fait, ne prenne des proportions interplanétaires, par exemple. C'est ça. Oui, et puis bon, c'est pour ça que j'aime bien tes livres aussi, tes écrits. En fait, finalement, je crois que dans le bouquin, d'ailleurs, je sais pas si c'est toi qui te surnomme journaliste de... Journaliste de monde subtil, oui, ça j'aime. Oui. Parce que en fait, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, Non. mais je suis là par contre pour décrire, Oui. pour dire ce qui se passe. Et les personnes vont ou se dire, ah ben oui, c'est ça, moi je sais, ou je l'ai déjà vécu quelque part, ou j'ai un vague souvenir de quelque chose comme ça, ou j'y crois. Et je me souviens que quand on faisait nos premières conférences sur le voyage astral, il y a des gens à la fin, nous on était un peu dans nos petits souliers parce qu'on s'est dit bah, qui va nous croire de toute façon? Mais il y a des gens qui à la fin sont venus nous voir lors de la première conférence en Belgique par exemple et qui nous ont dit ben, merci parce que vous avez mis des mots sur ce qu'on a vécu et qu'on n'osait pas dire de peur de se faire passer pour des fous. Donc il y a des gens qui vivent des choses, des gens qui les ressentent, des gens qui ont une intuition, qui leur parlent et qui savent ou qui savent intuitivement, peu importe. Et ça leur parle, quoi, je veux dire, c'est ça. Oui, et puis similaire aussi, et puis surtout, voilà, encore une fois, quelle que soit la culture, la nationalité, etc., enfin, la religion, comme d'habitude, mais c'est vraiment des expériences qui sont quand même générales, mondiales, ça, c'est, oui, ça demande à expérimenter. Et pour revenir 2 minutes sur les chats, c'est vrai que, en feng shui ou pas forcément en feng shui, mais c'est vrai que les chats ont tendance à aller. Vous, chers auditeurs, hein, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pu observer ça, mais c'est vrai que votre chat ou vos chats va plutôt aller se loger malheureusement sur les. Alors, malheureusement, heureusement, malheureusement sur les mauvaises ondes ou sur les nœuds, on va dire, en feng shui, tout ce qui est courant Des ondes contraires tellurique. à l'humain. Voilà, tandis que le Ouais. chien, lui, va aller sur les Ouais. ondes positives C'est comme... ça. Voilà, alors nous, on le fait de manière instinctive, on va et ou Ouais. se mettre sur du mauvais, et ou se mettre sur du bon. Vous à se demander si l'humain, voilà, de temps en temps, il ressent ça. Oui, bien sûr qu'il le ressent, mais pas tout le monde. Mais le chat, vraiment, sait exactement où aller. Oui, et en général, on n'a pas intérêt à dormir là où ils dorment, quoi. Enfin, dans les Non. mêmes endroits, parce que ça veut dire qu'effectivement, ce sont des ondes inversées. Ce sont des êtres très astraux, qui ont l'habitude de dormir beaucoup et d'être entre deux mondes souvent. Donc pour eux, les autres mondes, bah forcément, ils les connaissent, quoi. Le chien est moins psychique, lui, il a d'autres capacités. Mais c'est différent, voilà. C'est différent, mais c'est vrai que le chat, il va dormir là où on ferait mieux de pas dormir, quoi. Et, sauf s'il vient dormir avec nous, mais bon. En tout cas, chat et chien sont complémentaires, hein, ne vous battez pas. Tout à fait. Alors donc, Moi, j'ai les deux et c'est bon. ah, magnifique, magnifique. Ah Et en plus, ils s'entendent bien parce qu'ils savent très bien qu'ils font partie de la même maisonnée. oui, ils Donc, s'entendent super bien. oui, ouais. Dernière petite intervention sur, par exemple, quelque chose que j'avais vraiment envie de... Alors, c'est pas une question spécialement, c'est une discussion ce qu'on vit là. Hein. C'est pas un interrogatoire. C'est sur la question des terriens. Est-ce que tu... J'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on lit le bouquin, enfin, ça c'est mon impression à moi en tout cas, c'est qu'on a l'impression quand même que l'humain a vachement, vachement perdu son humanité première. J'ai l'impression qu'en fait on a même perdu quelque part. Est-ce qu'on pourrait presque dire que nous ne sommes pas terriens, dans le sens qu'on a vraiment perdu complètement la notion d'être humain? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Actuellement, hein, je parle de la civilisation actuelle. J'ai l'impression que vraiment, il y a juste ce réveil à faire, entre guillemets, Ouais. hein, il n'y a qu'à, C'est mais... ça, ouais. On nous a coupé de nos racines, en Ouais, fait. c'est ça. Enfin, on nous a coupé, c'est-à-dire on s'est coupé de nos racines parce Oui. que il y a eu des technologies, mais quand une technologie, c'est pas la technologie qui est un problème, c'est la façon dont on l'utilise. Par exemple, les télévisions, pour en jeter, les jeter à la poubelle, c'est sûr. Parce que ce qu'elle nous apporte actuellement, c'est nul. Mais, enfin, à part quelques rares émissions, évidemment, on va pas tout mettre dans le même panier, mais ceci dit, il y a des gens qui sont scotchés sur une télé qui les hypnotisent et qui ne leur apportent rien. Mais c'est pas la technologie de la télé qui est nuisible.
C'est ce qui est mis dedans, c'est la façon dont on s'en sert. Un laser, ça peut tuer, ça peut guérir. Et c'est la même chose pour toutes les technologies. Seulement, il y a des êtres qui, en fait, se sont servis de cette technologie, des cerveaux, pour, en fait, réduire la population à l'état de zombie, quoi. Donc, on réfléchit à travers les autres, on réfléchit avec ce qu'on nous dit. Donc, on a perdu le bon sens, en fait, le bon sens paysan. Et puis alors, si vous mettez quelqu'un des villes à la campagne, il va être perdu, il va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que... C'est drôle parce que nous, on habite la campagne, évidemment. Et quand il y a des personnes qui arrivent de la ville et qui entendent les grenouilles, ah non, il ne faut surtout pas de grenouilles, comment ça se fait? Ça m'empêche de dormir. Ou qui entendent un coq, ou qui entendent... Ce qui fait que les paysans ont mis des panneaux à l'entrée des villages en disant, ici, vous entendrez le coq chanter, vous entendrez... Vous entendrez, il y en a qui ont bien réagi de cette façon-là parce que c'est sympathique. On dit, mais enfin, c'est comme si tout d'un coup, ils avaient connu que le poisson en carré, quoi, à manger en carré pané. C'est très curieux, quoi. Donc, on a l'impression d'avoir été coupé de l'humanité et de ce qui est la réalité, quoi. Tout ça pour des technologies endormissantes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les gens en général? On bosse, on bosse, on bosse, on est tellement épuisé qu'on va se coucher. Donc, la vie entre intercommunautaires, si ce n'est pour aller boire un coup, ou alors après vraiment boire beaucoup, pour oublier qu'on mène une vie justement qui n'est pas sympa. Donc, c'est le moment de se dire, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Ou est-ce que maintenant, on fait des choix et on se dit, non, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et on peut. Et justement, quelquefois, sous un Robin des Bois, j'ai mis il n'y a pas longtemps là l'histoire d'un homme en Bretagne qui vit de façon autonome. C'est très sympa. Et puis voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre comme ça. Ça veut dire qu'on peut vivre Oui, comme on ça. peut, bien sûr, oui. Voilà. Et retrouver vraiment le sens des choses, le goût des choses, le contact, enfin tout ce qui fait notre humanité, quoi, en fait. Absolument, absolument. Et puis, je crois que c'est... il y a quand même une bonne pincée de courage à avoir, à prendre, et surtout... Lâcher Et l'ancien, c'est surtout oui, lâcher l'ancien. et avant même du courage, je pense qu'il faut surtout, comme tu dis, lâcher l'ancien, mais surtout... Alors, je vais pas dire avoir un mental d'acier, c'est pas ça. C'est vraiment laisser parler son cœur. Vraiment, je crois qu'il est temps maintenant, actuellement. On n'a plus le temps de niaiser, comme disent nos amis canadiens. On n'a plus le temps d'attendre. Il faut vraiment agir pour soi, C'est ça. pour les siens éventuellement, pour les proches qui veulent bien nous suivre aussi également. Ça, c'est encore un autre problème parce que voilà, il y a eu beaucoup de divisions hein, ces 2 dernières années, on le sait, et il va encore y en avoir certainement. Mais Mais bon, tout a bref, été fait, oui, tout a été fait pour diviser tout le voilà, monde. c'est ce qu'on vit tout le temps depuis de façon, en tout cas dans ce monde moderne, en tout cas dans cette époque dite moderne. Hein, c'est encore une fois un mot galvaudé, mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment se dire maintenant, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller à gauche, à droite? Est-ce qu'on veut aller au milieu? Il faut choisir son sentier. Il faut vraiment se dire, de toute façon, le sauveur n'existe pas en tant que tel, en tant que médiatique. Il y a, comme tu dis, des êtres, et ça c'est important à savoir aussi, il n'y a pas que le négatif. Il y a des êtres, pardon, invisibles dans des mondes subtils qui sont là, qui observent les choses, qui attendent d'interagir et qui le font, même sans qu'on ne le sache. Il n'y a qu'à prendre éventuellement la croyance des anges, mais peu importe, on ne doit pas être catholique ou chrétien pour ça. Les anges, à partir du moment où on se dit oui, ça existe, eh bien ça existe et ça fonctionne. Même mieux encore que ça fonctionne. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment, oui, des êtres qui sont là, mais on doit avant tout arrêter d'attendre un sauveur, hein, quel qu'il soit. J'espère qu'il y en a certains qui comprendront un peu mon message. C'est surtout se sauver soi-même. Et puis, alors quand je dis se sauver, c'est un grand mot, mais voilà, vraiment choisir sa voie, et en toute quiétude, et en toute intelligence, enfin, de manière de... Et surtout avec le cœur, quoi, voilà. C'est de toute façon, c'est le cœur qui... Et s'aimer, et accepter de se tromper, et accepter le côté négatif, parce qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, et parce qu'on est des humains, quoi, c'est tout pour l'instant, incarné sur Terre. Même si on a d'autres origines, peu importe. En tout cas, vraiment, s'aimer suffisamment et prendre soin de soi en ce moment. Et ça permet de prendre soin des autres.
Oh que Parfait. oui, oh que oui. Et ça permet de voir les choses de manière bien plus fructueuse, bien plus belle. D'ailleurs, tu le dis aussi dans le bouquin, c'est vrai que voilà, observer du végétal autour de nous, observer des animaux, des insectes, peu importe, même si avant on en avait peur. Moi, j'étais un grand arachnophobe. Enfin, j'avais vraiment peur des Oui. araignées avant. Maintenant, ma foi, je les sauve en prenant un petit verre, un petit gobelet, Ouais, la technique qu'on c'est connaît ça. tous, on passe le carton. Et on lui dit, excuse-moi madame, ou excuse-moi petite araignée, tu peux pas rester Ouais. avec. Et je n'ai plus peur. Donc en fait, on vit avec eux et eux vivent avec nous. C'est eux qui doivent Ouais, avoir peur de nous d'ailleurs. c'est Mais nous sommes le plus grand, enfin un des plus grands. Comment est-ce que je veux dire Oui, un des plus grands prédateurs, disons, de cette planète, c'est clairement l'humain, on le sait très bien en tout cas. Le non-humain, parce qu'il y a des humains et des non-humains parmi nous, incarnés, mais c'est une autre histoire. Tu en as déjà parlé dans d'autres livres. Ma chère Anne, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo, de cette émission. Mon Dieu, que ça file vite, que ça file vite. Mais vous allez voir qu'avec le dernier bouquin, si ça passe, si mon image veut bien, voilà, je vais me mettre devant. Ça Voilà, là ça passe. Que donc Révélation Galactique pour un monde un monde nouveau aux éditions Soi, donc SOIS, je mettrai le lien de toute façon en description. Donc tout nouveau bouquin hein, sorti tout récemment. Et donc je conseille vraiment de plonger dans cette lecture. Prenez-le comme un roman, prenez-le comme une vérité, prenez-le comme vous voulez. Mais dites-vous bien qu'en tout cas, c'est un voyage que tu nous offres là. Et plongez-vous un peu dans cet imaginaire. Vous n'êtes pas obligé de dire que, oh mon Dieu, c'est un peu perché. Non. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup plus de choses perchées qu'on ne voit pas et que Anne n'a pas encore décrit ici. Donc, voilà. Mais on se garde ça pour voilà, peut-être un autre bouquin ou surtout, voilà, pour éviter peut-être de trop noircir le tableau. Mais en tout cas, toujours est-il. C'est un magnifique voyage que Angie Woodan dans lequel Angie Woodan vous emmène à travers ces 300 pages. Hein, ça se voit pas comme ça, mais il y a quand même 300 pages. Et franchement, j'ai pas quitté le regard une seconde. Donc voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est Oui. que à ceux qui l'ont déjà, si vous l'avez lu rapidement, relisez-le Oui, parce oui. que ça crée une empreinte et il y a des mots qui font que après, il y a des rêves qui peuvent venir, il y a des choses qui peuvent modifier les cellules en nous et il faut en profiter, profitez-en quoi. Ce qui serait sympa, tiens, à l'occasion, je lance ça tout à fait comme ça, mais bon, à ton bon choix, c'est de pouvoir peut-être mettre un jour en place un. Alors, je sais pas, un carnet vierge dans un bouquin, je sais pas comment expliquer, ou alors, ou même sur un mur, parce que soyons écologiques, où les gens pourraient éventuellement, pourquoi pas, partager leurs expériences, Oui, ce serait. soit de rêve, soit de voyage astral. Ouais. Peut-être suite à telle ou telle lecture, Voilà. Ce qui s'est passé et après. voir s'ils ont, voilà, et voir s'il y a peut-être notamment des réponses, des éléments. Enfin, mettre tout ça en commun, ce serait pas plus mal. Alors bon, ça va peut-être faire une grande soupe parce que on a un peu tous notre vécu, et en plus de ça, on a plusieurs guides, certainement, voilà, avec des caractères différents, hein, parce que. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, voilà, pouvoir mettre tout ça en place. Voilà, moi je lance ça comme ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui, parmi les auditeurs, veulent se lancer dans l'aventure, pourquoi pas, on mettra le lien, il n'a qu'à me contacter. En tout cas, ma chère Anne, merci beaucoup pour cette émission, pour Merci. comment est-ce que je veux dire, cet apéritif, voilà, c'est un petit apéritif par rapport à tout ce qui est, cet amuse-gueule, cet amuse-bouche, par rapport à tout ce qui est là-dedans, il y a bien plus que ça, bien entendu, et bien plus dans d'autres ouvrages, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de toute façon d'aller voir le site de Anne, ainsi que sa chaîne YouTube, puisque, effectivement, tu fais donc des petites émissions, Robin Desbois, pardon, on a compris, donc voilà, complémentaire à tous tes livres, à Une tous tes ouvrages. révolutionnaire. Exactement, une vraie révolutionnaire. Et est-ce que tu as là, dans l'absolu, puisque cette émission sort donc ce vendredi, dans 8 jours ici pour nous, mais bon, dans ce vendredi, est-ce que tu as maintenant fin d'année des conférences prévues ou est-ce que dis-moi un petit peu ton Oui, actualité. enfin, des conférences. Alors, il va y avoir des tournées par rapport à un film qu'on a fait qui s'appelle Le courage au service du vivant. Et puis, il va y avoir aussi, après, il y aura d'autres émissions en ligne, évidemment. Ceci dit, on a prévu, mais c'est pas dit qu'on puisse les faire, hein.
il y a fin d'année, il y a janvier, et on sait que, bon, déjà à partir du 1er novembre, il va y avoir de nouvelles lois, enfin, on va voir ce qui va se passer. On prévoit comme si D'accord, ok. allait bien se passer. Voilà. Bon, ben, on croise les doigts et on touche du bois Ouais. et surtout un arbre vivant si possible. Oui, et puis le livre va sortir en Italie aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, donc forcément, quoi. Alors, tant que c'est en ligne, pour l'instant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coupure encore d'électricité. On va voir. Et puis après, on s'adapte. De toute façon, on a passé 2 ans à réussir à s'adapter en étant marginaux tous. Enfin, cette partie, enfin, qui écoute, on réussira bien la suite, hein. On trouvera toujours les moyens. On va, de toute façon, on va se retrouver, on se retrouvera. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 2 ans. J'ai retrouvé des gens, enfin, quand je dis j'ai retrouvé des gens, je suis tombé sur des gens que je connaissais absolument pas, ni d'Adam ni d'Ève, et en ayant l'impression, encore une fois, de les connaître. Et c'est ça Mais oui. aussi les familles d'âme, c'est ça aussi les familles des guerriers des temps nouveaux. Voilà, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas à vous poser des questions, vous n'avez pas à chercher, comme tu disais, pour les êtres qui sont là pour nous aider. Si vous devez les rencontrer, vous les rencontrerez Exactement. quoi qu'il arrive. C'est sûr. Ça, c'est Ouais, une ça c'est certitude. sûr. Certitude. En tout cas, des gros bisous, Anne, de Belgique, en France, Merci. et à ton mari aussi également. Et Voilà. bon, j'espère qu'on aura l'occasion, bah, pourquoi pas, de serrer la pince un jour. Voilà. Et je voulais aussi remercier, pour la première fois que je le fais, Sylvie, ta gentille secrétaire, avec qui on a toujours des bons contacts, et sans qui je ne pourrais pas avoir cette interview. Donc grand merci à elle Elle est aussi précieuse. également. Oui, exactement. Mais voilà, il faut lui rendre hommage, il faut rendre à Oui. César ce qui appartient à César. En tout cas, grand merci, chers auditeurs, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout Merci. cas, voilà, c'était pas trop trop long comme format, je pense. Donc, je vous conseille d'aller voir donc le site d'Anne Givaudan. Et quant à moi, je vous souhaite surtout la bienvenue encore une fois pour les nouveaux abonnés. Si ce n'est pas fait, bah, activez la petite cloche sur toutes les notifications, sans quoi vous n'aurez absolument pas toutes les vidéos. C'est ce que YouTube veut, bizarrement, soi-disant un bug, mais soit. De faire le petit pouce en l'air si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, cette émission, et de commenter. Bah, bien entendu, vous pouvez bien sûr partager vos expériences astrales ou même en rêve, etc. De toute façon, c'est un petit peu lié tout ça. Donc, grand merci encore une fois. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, pour une nouvelle émission. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, salut!